Les taoïstes, ils disaient, à une époque, le Tao, on le possédait. C'est-à-dire, il était toujours dans nos existences. Les gens respiraient le Tao, pensaient le Tao, etc., et le restituaient. Et après, les temps ont changé. Et le deuxième temps, les gens parfois étaient dans le Tao, parfois ils étaient en dehors du Tao. La troisième époque, ça existe dans Hésiode, hein, tout cela. Hein. Ça existe un peu partout, même dans l'islam. La troisième époque, les gens se demandaient si le Tao existait encore. Et la quatrième époque, la nôtre, quand on leur parlait du Tao, les gens rigolaient. C'est pour cela que c'était le Tao. Donc, on voit bien qu'il y a une perte. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est ce qui était au début, qu'on puisse le refaire semer. C'est une semaille, ce à quoi je... Parce que si cela venait maintenant et se développait, parce que ça a un goût de vérité, ces choses-là, ça paraît bête, mais c'est un goût de vérité, si les personnes qui sont dans la situation que vous vivez, à savoir une insatisfaction permanente en termes de bonté, de vérité, de justice et de beauté, vous ne seriez pas là.